Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, on va faire une petite salade d'agrumes, menthe et gingembre. Je vais t'apprendre tout simplement à peler à vif les agrumes. Tu vas commencer par enlever de chaque côté, puis suivre l'arrondi avec ton couteau du pamplemousse, comme ça, pour bien garder un maximum de chair. Encore. Jusqu'à temps que tu aies tout enlevé. Il faut vraiment enlever la partie de l'écorce, donc le zeste, et la partie blanche, ce qu'on appelle le ziste, et ce qui apporte en fait l'amertume. On doit ne plus voir de blanc. Tu peux récupérer ça comme ça, toujours en respectant l'arrondi. Ensuite, l'orange. Même système. On enlève un côté, puis l'autre. Et je vais respecter l'arrondi de mon agrume en enlevant bien sûr la partie zeste et la partie ziste. Voilà, c'est ce qu'on appelle une orange pelée à vif. C'est fini. Pour lever les segments, tu as une partie chair, ici, et une partie membrane, qui est juste après. Chair, membrane, chair, membrane. On va de chaque côté de la membrane et on enlève tout simplement le segment, la chair de l'orange. Et je vais jusqu'au bout. Il faut absolument avoir un couteau qui coupe très très bien. Je garde le jus. On ne veut rien perdre. On va passer à notre pamplemousse. Même système que l'orange, je dégage la membrane, je récupère mon segment. Après, ça va très vite, hein. Une fois que tu as compris le coup. Voilà. Je garde le jus. Terminé, j'ai mes petits segments de deux couleurs, c'est joli. Avec le jus d'orange et de pamplemousse. Maintenant, je vais rajouter mon gingembre. Je vais prendre un petit morceau de gingembre, comme ceci. Je le fends en deux et je vais le râper. Parfait. Moi, j'aime bien garder la peau du gingembre. Comme ça, ça m'aide pour le râper entièrement, sans me râper les doigts. Le tour est joué. Maintenant, je vais rajouter mes petites feuilles de menthe. Je vais garder le cœur pour la déco. Voilà. Le reste, je l'empile les unes sur les autres. Je fais un petit rouleau, comme ceci, et je vais tout simplement l'émincer. Terminé. Je rajoute la menthe à ma préparation d'agrumes. Je mélange le tout. Ça commence à être sympa, hein. Moi, j'adore. C'est plein de vitamines, plein de saveurs. On va passer au dressage. Pour le dressage, tu peux servir ça en coupe, en verre. L'important, c'est qu'on voit la transparence de façon à ce qu'on puisse voir toutes les couleurs qui se mélangent. Rien que de le dresser, j'en ai l'eau à la bouche. C'est tellement bon. Petite soupe d'agrumes comme ça, là. Le dernier, il range pas. Moi, je le mange. On va rien perdre, hein. Et puis en cuisine, de toute façon, il faut goûter. Je rajoute le jus. La petite déco sympathique. On voit bien le cœur. Et c'est fini. T'as bien compris, pour cette recette, tu as besoin d'un pamplemousse rose, d'une orange, un petit peu de gingembre, un petit bouquet de menthe,
Et moi, tu sais quoi? Pendant ce temps-là, je le mange. Oh! Je suis un gourmand, j'avais trop rempli. Mais c'est super bon. Ah, le petit goût de menthe là. Et le gingembre qui arrive derrière. Génial. J'adore.